Bonjour à vous et bienvenue sur les vocalités allemandes où nous allons jouer à Dead by Daylight, le mode Chaos Shuffle. Je sais pas du tout comment ça va être. Je me rappelle plus si le mode survivant était rigolo. Je me rappelle plus, mais voilà. Je me rappelle que le mode tueur était très rigolo en tout cas. Franchement, je m'éclatais dessus. Est-ce que le mode survivant le sera? Je me crois. Mais ouais, je devrais passer un coup de brosse, ça serait réglé. Ce que c'est quand je passe une brosse, c'est mieux. Bienvenue dans ce live de qualité allemande pour du Dead by Daylight. On va commencer par lancer le jeu. Ouais, c'est pas mal. J'en ai toutes les pop-up de merde. Non, pas beau, Steam. Putain, j'ai des trucs de merde du coup. Et que je ne peux pas les installer parce que je ne peux pas les installer. Chier. Faut que je demande à Kathleen, vraiment. Kathleen, elle passe tout, Kathleen. Kathleen, c'est une reine de l'informatique. Mise à jour, Dieu, je peux te réveiller. Mais tu vois, il y a des fausses mises à jour. J'ai failli me faire baiser. Vraiment, j'ai failli me faire baiser par mon PC. J'ai cliqué sur musique, la barre en bas de musique, et directement je vais faire clic gauche, mais genre, enfin clic droit pendant pour cliquer sur la croix rouge, et la page s'est pas mise. Ouais, directement on fait toc toc, merde. Voilà. En fait, il y a une page qui s'est chargée, sauf que c'est la page qui s'est rechargée de XBit. J'ai chier. Alors j'ai vraiment failli me faire niquer. Putain, c'est quoi ça encore? Allô? J'en ai trop marre. C'est soit de la pub, soit des enquêtes, soit des scams.
J'en ai trop trop marre des appels comme ça, genre je reçois 5 par jour. Putain, je suis allé au cinéma hier soir, je suis allé voir. Je suis allé voir Beetlejuice. C'était sympa. Voilà. J'ai fait une vidéo, mais je crois qu'elle est pas top. Peut-être que je vais devoir la refaire. Vraiment, hier soir, je suis tourné comme ça. J'ai jamais été aussi speed. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une hype un peu inexistante qui se crée autour de Castlevania. Genre en mode. Genre. Ils nous ont sorti le truc en avant, enfin ils nous ont dit le truc en avance et tout. Ils ont. Bien bien avant, genre bien bien avant les autres chapitres qui sortiront après. Ils ont. Merde, comment dire ça? Merde, j'en ai même plus parlé. Genre, ils ont sorti quand même une grosse licence en chapitre, faut pas déconner, quoi. Avec un tueur, avec un suivant. Ils ont sorti le mode Lightwood, l'air sur le mode Chaos Shuffle. Est-ce qu'il y aurait pas un petit truc, genre en mode. Je serais de la parce que j'ai l'impression que les gens ils aiment bien, mais c'est pas à l'échelle que je pense qu'ils pensaient que ça allait être, en fait. Ah, suivant et tueur, c'est pareil! Moi je tue. Bon, je peux jouer cette merde infâme parce que c'est bon quoi. C'est rigolo en live tout. Mais tout est rigolo en live tout. À part genre Huntress. Mais Huntress c'est jamais rigolo. Je vais du mal. Hein. Attendez, il y a des nouveaux trucs de Store qui sont sortis. Tellement laid. Attendez. C'est vrai que je suis choqué, j'ai. Non, si j'ai 1 sur 3. Ah, mais oui. Oh, Gamer Expo. Si, il y avait un skin de tueur avant, c'était pas genre, c'est pas du tout le premier. Mais le jeu, il a quoi aujourd'hui? En parlant, c'est vraiment du gros OZEF, on s'en fout vraiment complètement de ce skin. Vraiment. Moi je pense, vraiment, pour Singularité, un peu comme ils ont fait pour Dredge, mais ils sont pas pour Singularité, ils devraient vraiment sortir de leur sentier battu et arrêter de faire genre une base comme ça. Genre dire que la base de Dredge, c'est un chewing-gum rose. Faites autre chose. Pourquoi pas faire un robot complètement et pas un robot à moitié glaciaire? Vraiment. J'ai des gens dire que ce skin était magnifique, je suis désolé, je trouve un peu bon. Navré, hein, mais vraiment, je trouve vraiment très, enfin, vraiment pas beaucoup. C'est vrai que plus le temps passe, plus Singularité, je me dis qu'en fait, c'est fait un peu escroquer. Hein. En vrai, entre nous, à part ces deux skins-là,
J'aurais dû regarder. Toi, le truc rose, tu mets, je sais pas, en noir ou en cendré. C'est mieux, non? Et là, tu mets genre en blanc. C'est mieux, je sais pas. Enfin. Ce qui n'est pas trop mal en fait. On devait regarder, tu es trop mal. Mais pas trop mal parce que regarde, le côté un peu rose et tout, il est bien, bien mis, je dirais. C'est pas envahissant. Ils sont pas forcés à le mettre. Même là, en vrai, je trouve que ça va parce que ils sont pas forcés à le mettre. Moi, ce que j'aime pas trop dans ce skin là, c'est le côté. Je trouve qu'ils ont une. Enfin, c'est le côté très fourre-tout, quoi. Genre là, une roue. Là, c'est une patte. Ouais, d'accord. Là, la cuisse n'est pas la même qu'ici. C'est quoi ce truc à la base? Genre vraiment, je sais pas ça me va quoi. C'est moi ou. Nair ressemble pas à Nair sur chacun de ses skins. Genre, chacun de ses skins ressemble à un personnage différent, mais pas à Nair. Non, mais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois très bien ce que je veux dire. What secrets does this realm hold? Cette raison, car le cheval, est-ce que c'est vraiment. Parce que c'est vraiment général. Je sais pas. Dread, je pense que je vais rejouer pendant l'event Halloween. The powerful always judge the weak. C'est vrai ce que tu dis Dracula, mais c'est triste aussi. Je vais vous faire une petite confidence, je sais même pas si j'ai vraiment envie de le tuer. Je fais un petit couvert, je sais même pas si j'ai vraiment envie de voir Dead by Daylight. Parce que Merchant ça peut être nerf. Hein. Pas encore. D'ailleurs, les développeurs ne sont pas du tout revenus là-dessus. Hein. Ils ont pas du tout dit qu'ils allaient changer ça et tout. Hein. Vraiment, ils ont rien dit. Non, je mets ces infos. Non, on se donne dans Chaos Shuffle, c'est mieux. Enfin, je sais pas, c'est pas bien. Tiens, on va niquer tous mes gâteaux. Le pudding. Avant qu'elle se fasse nerf, hein, qu'elle devienne de la merde, bien sûr. En vrai, je pourrais mettre les gâteaux comme ça. Mais je pense qu'ils vont revenir en arrière hein, pour la marchande de crâne. Je pense qu'ils vont tout annuler. Hein. Ils vont dire en fait ça va. Je vois pas un monde où ils vont laisser comme ils ont dit. Hein. Ce serait beaucoup trop catastrophique. Putain, j'aime pas le fait qu'elle doit la remettre, même elle-même, c'est vraiment nul quoi. Je sais bien que son armure ça doit être en toc, mais bon, faut pas déconner quoi, il y a des limites. Par contre, ils ont menti quand ils ont dit qu'il fait jouer le tueur. Enfin, ils ont dit qu'on pouvait jouer les deux. Et là, vu que c'est un jeu très bien fait, t'as pas un petit bouton genre switch survivant? Tu dois faire back, play, survivant. Voilà, ça c'est un jeu extrêmement bien fait. Attention. Comment défi? La merde.
Moi, j'ai vraiment un truc à te demander quand des événements pointent sans. C'est de faire en sorte qu'il y a plus de banderoles de fête sans vente. Voilà. Genre, ça arrive plus fréquemment. Genre, même pas, genre, il y en a à chaque truc, parce que non, là, c'est pour les anniversaires. Genre, vraiment, ça arrive. Genre, tu doubles le taux de rap. Putain, ça fait longtemps. Mais ouais, je vais voir, mais je vois ma vidéo sur Beetlejuice que j'ai faite, parce que je crois que c'est je crois que c'est pas ouf en fait. Déjà, j'ai dû la refaire parce qu'en fait je fais bon, on fait une partie sans spoil. Alors le film c'est quoi? C'est bah en fait je peux rien raconter parce que le film c'est du spoil en fait. Parce qu'en fait, le problème du film, c'est qu'en fait, je le dis ça, je crois, dans ma critique, mais genre, sinon je passe très vite dessus, ça qui est dommage. C'est qu'en fait, le film démarre vraiment au milieu, genre milieu-fin, en fait. Tout le début, c'est juste, on présente des personnages, on fait des blagues, et c'est tout. Mais vraiment. C'est quoi qui gêne mon truc là? C'est quoi mon père? J'ai Eden. Non, c'est bâtard. Il avait pas de son terreur. Je pense qu'il a monitoré ma vie. Bon, en vrai, je suis pas sûr sur les oreilles, mais j'entends un petit peu quoi. Je ne sais plus juste ce que fait la porte d'en bas. Elle était tellement rework que je sais plus ce que. Je crois que même là encore, je crois que même là, il y a une mise à jour, elle va encore être changée quoi. Vraiment, c'est vous dire à quel point la perte, ils font vraiment complètement n'importe quoi avec. Ah oui, j'ai rien. Par contre, c'est vraiment on tire un quoi. Ok. Putain, c'est que le feeling de la chance quoi. Après moi ça va, j'ai Renaissance, c'est très bien. Moi tant que du moment que j'ai aucune perk troll et que j'ai une bonne perk, ça me va. Hein. Renaissance c'est une bonne perk. Eden, le problème c'est que j'ai pas pour mon salaire. Je réfléchis à dans quelle circonstance je prends salaire, à part pour troll, je vois pas. Vraiment pas vu? Qu'est-ce qu'il fait lui? Si, tu vas dans. Il avait bien un truc pour me voir, pas qu'on puisse l'entendre. Mais du coup, dans le coup, je vais devoir le retourner. En vrai, c'est pas grave si je le retourne en vrai.
Bon, moi j'ai toujours pas vu le générateur par le choc là-haut. J'allais dire, c'est dommage qu'on puisse pas demander genre d'avoir une perk forcément, genre au moins une perk dans notre deck, genre parmi 4, genre parmi comme ça, genre on a une au moins des 4. Le problème c'est que j'ai envie de demander des trucs genre abusés. Le truc drôle c'est seulement qu'il n'y a plus de trucs abusés. Non, d'ailleurs, en vrai, un mode où les perks méta n'existent plus, genre c'est que les super que j'ai jamais joué, c'est trop bien aussi en vrai. J'ai pas de logique, c'est quoi la probabilité que ça arrive? Je me rappelle comment c'est trop galère. Genre, à l'époque, j'ai commencé de trouver les totems bénis parce que franchement, j'étais nul. Genre, pour moi, quand il y avait genre un. Quand il y avait un ruine ou un. Ou un berceau d'HSE, parce qu'à l'époque, c'était la fin. Genre, vraiment, je. Genre, c'était fini quoi. Moi, je me dis merde, mais pas vraiment. D'ailleurs, genre, vraiment, petite parenthèse. Je pense que ruine. La version de l'époque existerait aujourd'hui, la perque serait pas si bien que ça. Enfin, pas aussi bien qu'à l'époque. Vraiment là.
par Eden. C'est quoi cette perte de merde? C'est un frenemy, c'est vraiment juste très mauvais. C'est encore, moi, excusez-moi, moi j'y arriverai pas non plus, mais je veux dire, t'insistes pas, tu viens de taper à la masse quoi, je suis déjà blessé. Non, il fait exprès, je pense qu'il fait exprès. Donc là, c'est pas un générateur, c'est pas. Ah non, j'ai un déjà, pardon, c'est dommage, t'es vraiment en train de faire un générateur. C'est un frenemy, je pense que c'est vraiment un frenemy. Peut-être qu'il a laissé se décrocher comme ça puis qu'il a souvenir à côté. J'aime bien parce que c'était pas en train de finir. Attends, j'ai pas compris. Vraiment, je vous jure, je suis honnête. Je suis vraiment 100% honnête. Je dis pas ça pour troll. Je dis pas ça pour humilier le personnage. Parce que de toute façon, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Mais c'est la première fois de ma vie. Vraiment. Enfin, deuxième fois de ma vie que ça m'arrive. Que. Je sais pas si le tueur en face est un friendly ou non.
Tu veux lui demander parce que je comprends pas. Après, la première fois que ça m'était arrivé, c'était pas que. C'était aussi parce que vraiment le tueur. En fait, enfin, j'ai déjà raconté, c'était une partie, il y avait. La première partie, c'est parce qu'en fait. J'ai raconté, en fait, j'étais une partie avec Camaradon, ce n'était pas en live. Hein. Mais genre, parce que c'était avant que je faisais live. Et en fait, il y avait un Freddy dans la map du docteur, et en fait, il faisait que de frapper partout pour les murs et tout. Et genre, je me disais, bah, c'est qu'il est. C'est que. Bah, c'est un friendly, quoi. Puis quand il poursuit, il faisait exprès de faire des tours de merde et tout. Vraiment, il. En fait, non, c'est qu'il était vraiment extra mauvais, vraiment. Je demande ce que je sais pas. Je pense pas, hein, du coup, mais. C'était pas un bon bulle de bâtard. Est-ce qu'il vient de répondre à la question? Un gâteau. Je crois qu'on n'aura jamais la réponse. Mais je pense que c'en était pas un. En fait, il y a vraiment trois. En fait, il y a vraiment trois gros points qui me font dire que c'est un friendly. C'est qu'en fait, bah déjà, le moment où il faisait exprès de nous louper, le fait qu'il nous arrête de nous chasser comme ça, genre subitement pour aucune raison. Vraiment. Moi, ça c'est un point en général. Le fait qu'il ait laissé en fait Sable partir. Enfin pas Sable ou Mikala, je sais plus. Qui ait laissé le personnage partir comme ça et se laisser soigner sur le projet. Parce qu'il l'a accroché, mais genre 5 secondes après, déjà décroché. C'est vraiment genre, ok. Donc en fait, c'est qu'il est resté à côté et il lui a permis de battre de coups de se décrocher. Ou alors elle avait des livrances, j'ai pas vu. Mais en tous les cas, il l'a laissé se décrocher. Ça, par contre, c'est parfait. Et le troisième point, c'est qu'en fait, bah, la plupart de nos teammates ont essayé de se suicider et à mon avis, ont dû jouer trop comme des cons. Il a dû voir ça, il a dû dire, ouais, vas-y. Pour moi, c'est ça, il a dû dire, ouais, vas-y, je vais les laisser en vie, tranquille. Et je vais rajouter un quatrième point qui va avec le premier, c'est que il nous a chopé beaucoup trop facilement pour que ça soit pas pour qu'à la fin il galère autant comme ça. Vraiment, c'est trop bizarre. Pas il y a aussi le fait que bah, il y avait un événement de points de sang puis des banderoles, et bah ça aide généralement à faire venir des friendly quoi. Mais là, je sais pas, j'ai pas compris. Franchement, j'ai vraiment pas compris. En plus, j'ai pas compris que Mikaela en fait devenait. En fait, j'ai compris que maintenant, mais que Mikaela en fait, devenait empêcher de passer et. Je croyais que genre venait juste dire bonjour quoi. D'accord, en fait, je comprends. Maintenant, je comprends vraiment mieux maintenant, en fait, que pas du tout. Je vais lui dire bonjour. Bah, par contre, Chaos Shuffle, c'est bien parce qu'il y a personne, en fait. Bellement, je l'ai monté niveau 3. Putain, une Genie 60. Yeah. Ah bah. Allez là, des gens. Il y a des gens sur votre mode Chaos Shuffle? Soit il y a trop de monde, soit il y en a pas assez, quoi, mais je sais pas. Il n'y en aurait pas assez, je pense qu'il y aurait des trucs de point de temps. Mais là, il y a l'impression qu'il y a trop de monde. Eh, s'il vous plaît, quoi. T'arrêtes, je dois tourner encore deux trucs d'ailleurs. Bah, en fait, déjà, je vais voir si le Dovido Beetlejuice est ok. Et sinon, je vais la retourner.
Il faut que je tourne aussi une critique sur, je dis là ici, hein, Alien Romulus et Midnight Vampire. Allez! C'est tellement pas normal d'attendre si longtemps. J'aurais su, je serais allé faire du contre des bottes, quoi. Ou j'aurais pris un truc à côté pour m'occuper. Comment ça, il détecte pas? Putain, y'a quelqu'un qui est arrivé, vous faites chier quoi. Moi, unique. J'ai un petit peu cru. Il y a une blague qui revient tout le temps sur Kamevan, point de sang, qu'il y a des offrandes de points de sang sur le gâteau d'anniversaire ou autre. Alors, je sais pas si c'est vrai. Parce que j'ai jamais trop fait attention. En fait, quand moi que j'ai fait attention, c'était vrai, mais j'avais fait attention en général. C'était vraiment vrai. En fait, il y a une blague, c'est de dire que bah, les survivants mettent tous des trucs de points de sang et le tueur met soit un Mori, soit un pudding. Genre vraiment, genre ils se trompent cette fois, ouais. Ça fait beaucoup trop rire. J'ai quoi du coup? Ça va. Je trouve que je décoffre. Oh non, pas lui. Personne ne va ici, on est d'accord. Genre personne ne tourne. Putain, elle ouvre des coffres pour moi là. Ça compte ça ou pas?
une fois. Do you actually think you can defeat me? Non, non, je m'en foutais, je voulais juste. C'était quand même d'attendre genre 10 minutes pour traîner une partie et que genre la moitié des joueurs se suicident quoi. Mais je dis bien la moitié des joueurs parce que sur deux parties il y en a deux qui ont essayé de se suicider et lui s'est suicidé là. Donc voilà. Non, vraiment mais dites pas que non, mais dites pas que tous les gens ne veulent pas se suicider. Je pense que j'ai pas du tout des mauvaises cartes. D'ailleurs, j'ai vu la liste des choses sur lesquelles marcher ou marcher pas, la compétence de Lara là qui fait qu'elle ne crie plus. C'est nul, c'est nul à chier. En fait, il y a plein de trucs, genre, elle fait quand même crier, genre le docteur par exemple. Elle fait quand même crier. J'ai jamais retombé de haut là. Est-ce que je peux cette map là? C'est pas toutes les maps qui me perdent ça aussi. Pas suicider l'autre là, on aurait pu tourner. Va, laisse-moi aller haut. Attends, je me mets bien moi. Voilà. Oui. Let's finish this. Bon, je vais pas dire que Wesker aurait pas juste souri, mais. Je pense qu'une elfe qui te met une patate, quand même, tu fais pas juste un petit sourire. Voilà. Bon, en vrai, c'est Wesker, donc il reste quand même Barak. Même si moi que Nemesis, ça je m'en tiens. Par contre, je pense vraiment que de faire une force scaling entre les personnages de Resident Evil, mais Nemesis met une branle à Wesker. En fait, le principe même de Nemesis, c'est qu'en fait, il fait que dévoiler, c'est un peu un Doomsday, quoi.
De toute façon, je pense que vraiment Nemesis, c'est une des merdes les plus increvables de l'univers. Je sais pas, ce serait quoi le monstre le plus puissant en vrai. La créature la plus puissante de l'univers de Resident Evil. Des jeux vidéo, je dis bien. Je vais pas partir dans les films, les trucs animés et tout. Hein. Ça serait trop loin. Non, je sais pas du tout c'est quoi le truc qui serait vraiment le plus puissant de Resident Evil. Parce que Nemesis, je pense même pas qu'il est top 5. Wesker, clairement pas. Monsieur Wesker est très fort, attention. En fait, pour moi, un type que tu peux battre avec... parce que c'est comme ça que je peux battre dans la cinématique, mais... Avec deux roquettes et de la lave, c'est pas une menace. Nemesis s'est mangé beaucoup plus que ça. Dans les combats. Alors oui, le combat de Wesker est long et chiant et tout ça, mais en vrai... En vrai, c'est que je connaissais pas la strat quand j'ai fait mon S, mais en vrai, il y a une strat et vrai, c'est facile à faire. Après, il va me dire tous les boss de Resident Evil, tu peux pas avec des roquettes, tiens. Ce qui est un problème, il y a aucune certitude. De... D'ailleurs, il y a un truc chaos que j'ai fait ou pas? Ah, il y a pas de... Ah ouais, c'est nul. Bon, après, il y a eu un event Lightwood juste avant, puis il y a un event Halloween, donc en vrai, ça va. Bon, pardon. Putain, un truc in-game. Finalement, quand je vois pas au solitaire, je suis désolé. Hein. J'en avais un peu envie. Mais vraiment, c'est genre... Je sais pas si j'ai gardé des points pour une Jin Lee ou je les montre pour elle. Moi ouais, je les montre que d'autres endroits. Disons, elle c'est une seconde que je compte mon TPS. Hein. Je vais partir de la liste des seconds que je compte mon TPS. Hein. Ah, il y a qui dans cette liste, j'ai oublié. Il y avait Ether, je pense. Ether, j'aimerais bien le monter TPS. Hein, parce que j'ai beaucoup de skins sur elle. Et des skins légendaires en fait surtout. On voit comment le crochet est beaucoup trop arrondi pour embrocher quelqu'un. Mais bon, bref. Il y a que ceux du docteur, je crois, qui fait vraiment, genre, vraiment timidant, vraiment très pointu. C'est quand même bien. Ah, ça va. Parce que t'écoutes, t'as des ventures. Mais ça va. Là.
Tu t'as dit, mais pour moi, c'était écoute, il devrait la boost en rajoutant la possibilité d'avoir d'autres. Plus de jetons en fait. Que le niveau 1 soit 4 et que le niveau max soit 6 ou 8. Mais le problème c'est que je pense qu'en fait il y a vraiment des gens qui jouent avec cette écoute et du coup c'est un gros problème parce que du coup ils veulent pas nerf des pertes que j'en joue déjà avec. Mais littéralement deux fois. Je pense vraiment qu'il a un problème de bug. Putain, tu es l'heure de merde. Putain, putain. En ce sens, ce que je fais, ça maintient ce que je disais, c'est que Lightbook c'est le meilleur mode. Hein. Et pour le coup, c'est... parce que je trouve que le côté que je fais, il est sympa, mais pas plus. Mais surtout que, en fait, bah, c'est que super toxique. C'est super toxique, le temps d'attente est horrible. Enfin, franchement, je sais pas du tout pourquoi les gens aiment ce mode. Like tout, il y avait vraiment des vrais mécanismes d'anti-tuning et tout, quoi. Enfin...
construction est avant de tirer. Des filles ouvrent des portes, c'est ça? Putain, au secours, si c'est vraiment ça. Je trouve que les défis pour ouvrir les portes, c'est pire que les défis pour s'échapper. Très exactement ça, mon défi, d'accord. Ok. Mais ouais, je sais pas. Pour l'instant, ce mode-là, pour moi, c'est mal parti. Hein. Vraiment très très mal parti. Billy te prêt. On avait vu comme tueur par Billy d'ailleurs. On avait un autre en plus, hein, mais j'ai oublié c'était quoi. Un Wesker, c'est vrai. Mais le premier Billy, c'est un mystère pour moi. C'est le genre de tueurs qui vont marquer. Les tueurs, et souvent, on en voit tellement qu'on les oublie, en fait, la plupart. Mais, genre, le tueur d'abord, d'avant, et souvent, d'abord, d'avant, genre, je vais pas m'en rappeler. Mais, genre, le... Genre, le... Genre, le Billy, là, de début, je vais m'en rappeler. Lui, franchement, il est vraiment dans la catégorie des tueurs, mais légendaires que j'ai vus, hein, franchement. Autant que le Freddy. Pour les mêmes raisons en plus. Pour les mêmes raisons, mais pas exactement. Les mêmes sous-raisons, c'est-à-dire. Il y a toujours. Dans le droit, il y a un gap. Genre, Billy, c'était. Genre, Freddy, c'était vraiment parce qu'il était extrêmement mauvais. Juste ça. Que j'ai cru que c'était un friendly. Alors que. Bah, Billy. Billy, genre, j'ai vraiment plein de trucs en fait ensemble qui ont fait que c'est un friend. On va ça. On va dire que c'est pas mal du tout. Thank you.
C'est vrai, c'est une map qu'ils devraient refaire aussi, pareil. La, déjà la rendre plus jolie, puis aussi la rendre plus. Enfin, moins grande, en fait, parce qu'elle est trop grande cette map. Pourtant, je rappelle que avant que cette lentille existe, c'était ma map préférée. Après la map de saut. Après la map de saut, j'ai arrêté de l'aimer quand je me suis rendu compte qu'il y avait 1 000 milliards de palettes de saut. Après la map de saut, c'est surtout en tant que souvent que j'aime beaucoup. J'avais vu un truc qui disait que le Westworld c'est une des suivantes dont je veux maintenant aujourd'hui. Ce qui est assez dingue parce qu'à l'époque où je jouais à Dead Island, avant le début, la période de Spirit, Légion, tout ça, c'était vraiment une des plus vraiment. Pour envoyer tout le temps. Avec mes Airplane. Un groupe classique à l'époque c'est vraiment Nea, Feng, Laurie et Claudette. Vraiment. On était là avec nous. Je vais ressortir le fond vert en vrai. Yeah. Mon défi. Ce qui me rassure là, c'est que quelqu'un fasse petit. Je pense que c'est le cas de. On était là. Moi j'ai vu un tuto qui me disait que c'était important d'ouvrir la porte quand t'es en solo queue parce que en fait, ça permettait à des mails de savoir que le tuto. Me dire qu'il faut sortir. Oh.
j'ai mon défi. D'ailleurs, vous savez qu'à la base, le mode de 8v2 devait être un truc genre Donjons et Dragons. Genre un mode des classes, tout ça. Finalement, je crois que c'est même pas sorti en même temps que Donjons et Dragons. C'est sorti bien après, sorti quand même pas mal de temps après. C'était pour Lara Croft. Donc, ouais, donc, rien à voir. Attends, je vais en plus, c'était bien ça. Inspiration, strike. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un truc après. Ok, il y avait que des points de sang là, après. Donc, moi c'est fini, hein, j'ai tous mes trucs. Je m'en fous de pas avoir les trucs Deeprive. Les gens disent ouais, mais Deeprive c'est un super mythe rare parce que les devs ils ont dit qu'il y aurait pas. Ils sont pas disponibles dans la boutique. Leur culture, on s'en bat les couilles, mais d'une puissance. Vraiment. Ils ont vraiment changé le truc de sable. Maintenant, la sable Deep Rift est vraiment différente. Ouais, ça se voit, il y a plus de verre et tout. Alors que la version pas Deep Rift, je vous montre, mais. Voilà, c'est beaucoup plus bleu. Ce qui est débile, parce que Deep Rift, vraiment, c'est bleu. C'est bon, bref. Du coup, j'ai débloqué quoi parce que... C'est pas le charme que j'ai débloqué aussi, je veux dire. Parce que là, je suis un gros. J'ai débloqué un petit. J'ai débloqué un petit corbeau. Let's go, le petit corbeau. J'ai pas joué à tueur, mais on teste sera spirit après contre des bots. Connexion qui est plus lente que le temps de du savon. Ils sont rigolants, je crois que c'est vrai en fait. Ah. Ça a l'air très très vrai. Ah ouais, c'était pas une blague en fait. Ok, my bad, je crois que c'était une blague. Mais en fait, c'est la réalité.
Ok. On va ça. Ah ouais, c'est grave quand même. Genre. Ok. Non, vous abusez les mecs, putain. Les plombs, c'est red flag, on rappelle. Ils n'auraient pas existé. De confession, je sais pas du tout ce que fait la moitié de perk. Ah si, c'est quand quelqu'un se fait ramasser, tu vas plus vite. Oui. En bas, je sais pas. Et à droite, c'est gigotage, je crois. C'est genre, ouais. J'aimerais tellement vrai chapitre Evil Dead, oh là là. Ta mère. En fait des fois je dis j'appuie, en fait c'est pas que j'appuie pas, c'est que j'appuie pas assez fort. En fait c'est que enfin, j'ai juste pas du tout envie. C'est assez rare, hein. On l'embrasse beaucoup. Même manger ma gaufre, nous en dirons dans sa machine. J'entends pas le chanteur du tueur. Tu as le labi. Je vais en train de me dire si tu l'entends, tu l'entends. Je te jure, bon, tu l'entends. Mais je t'entends pas en fait. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Thank you.
sais pas pourquoi j'ai le défi. Je sais pas, en fait, je sais même plus si on est pris en fait tout. Je pense que oui, j'ai 10, quoi. Je vais essayer de faire des montages habités. Peut-être qu'il y a ici la de loupe, là où il y avait tous les générateurs. Quelle mauvaise idée. Trois fois de suite qu'on s'échappe. Je crois, hein. Je sais plus. Si si c'est ça. Genre Ilby échappé, Spectre échappé, Trickster échappé. En fait Trickster c'est mauvais. Et bon, ça empêche pas que des fois ça se niquait par les damages par exemple. Et en plan tu fais une game c'est bon. En rang 2 si t'as pas de chance. Mais qu'est-ce qui vous empêchait là de faire un truc genre avec des éclairs qui tombaient tout en animé ici? Je sais pas. Les gars, souvent c'est quand ils mettent un peu d'animation, c'est jamais très poussé en fait. C'est genre juste. Moi ça me dérange pas que ce soit très léger, mais souvent c'est juste de la brume qui bouge quoi. Ou des reflets quoi, c'est tout. Je veux dire, littéralement, le truc qui a le plus de. Le plus de relief, c'est. C'est le phare là, l'emblème du phare, c'est pas une blague, je crois. Attendez, je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Hein. C'est que c'est simple, en plus, c'est animé vraiment. Ouais, non, j'ai rien dit, je pensais que c'est plus. Je crois qu'il y avait vraiment un truc que tu voyais bouger et tout, tourner. Genre, juste ça, regardez, là ça prend rien du tout comme temps. Là, franchement, ça reprend, mais que dalle. Genre, je vous le fais en même pas une heure. En une heure, c'est. Tu me donnes l'image, tu me dis, vas-y, juste que ce truc-là glow comme ça, et qu'il y a un truc qui étincelle ici, je te le fais. On s'est dit, par contre, c'est peut-être lequel, ce détail. Pour moi, les qualités. Pour moi, les trucs devraient tous bouger, peut-être pas les marrons, mais devraient tous bouger au moins à partir du violet-vert. Et genre juste tu changes la gueule du cadre, juste c'est le cadre qui est plus détaillé et les têtes trucs qui bougent plus aussi, je sais pas. C'est à la rareté. Ça je suis désolé mais merde quoi, faut aller sous la gueule du monde. Regardez mais... Zéro effort quoi. Enfin, zéro effort c'est faux parce que... C'est joli hein. Mais... C'est ça que ça bouge pas, c'est pas grave. Je sais pas que tout bouge, mais genre les trucs, tu viens de pourquoi? C'est un truc de V8 ça? Ça représente tellement pas le de V8, je trouve. Après, l'emblème est joli donc on pardonne, mais ça représente pas du tout le de V8. Ouais.
je vais pas rouvrir mon jeu, hein. C'est bon. Je vais checker ce qui se passe sur internet. On est d'accord que là vous ne voyez pas mon écran. Ouais, non, c'est. J'essaie d'un couchant, ça me s'affiche, je sais pas pourquoi. Parce que je suis maudit, voilà pourquoi. Un mec a fait une vidéo pour expliquer pourquoi Adi est vraiment le survivant le plus moche de Dead by Daylight. Ok. Bon, c'est non, parce que j'ai vraiment que j'ai checké parce que j'ai pas eu la notif comme quoi la partie commençait. Attends, je calme force, il va pas me le dire au bout d'un moment quand même. Il y a deux banderoles et un gâteau, je crois. Je regarde sur mon retour du coup. Je vais voir s'il va me le dire ou pas du tout. C'est pas lancé, on est d'accord. Ah ok, il me l'a dit. Ok, c'est vraiment dès qu'on est une game qui le dit. Par contre, waouh! J'ai oublié de fermer un truc. J'ai quoi que j'ai parfaite occasion. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Quand on a parfaite occasion. Cours-toi ! Ah, le tueur, il est parti disparu depuis. Comme un démon, et là d'un coup on en voit deux la suite. Pour ce gars-là. Rigolo de l'avance prendre comme ça. C'était un peu ça de personne à pas. Après on des couteaux dans le dos. Je pense que ce qui m'arrive pour ça c'est que les couteaux en fait ils éclatent quoi, vraiment. Ils auraient pu ne pas éclater, juste transpercer. Ça tire pas son attention. Ah,
d'accord. Et speedrunner. J'en ai passé de milieu à c'est fini, tu es mort. Je suis arrivé à la caisse là, j'étais genre vraiment, vous voyez pas mon doigt, mais j'arrive à la caisse là, les deux caisses là. Juste avant, j'étais à la moitié. N'importe quoi, t'as vu. Quoi? Et bon, c'est une super monstre, très très mauvais. T'es pas allé quand même au seul endroit où j'étais. Je suis pas si. Je sais pas où c'est ça. Enfin, si je sais où c'est, mais je sais pas ce que je vais en faire. On me la fout tout dans le cul. Bon, je vais ça quand même. Okay, là-bas. Je jure que j'ai appuyé à la moitié. Je veux bien que je sois mauvais en tes habilités. Mais c'est bon, c'est ma spécialité. Mais là non, par contre j'ai vraiment appuyé à la moitié quoi. Mais en fait, c'est que des fois, j'appuie pas complètement sur la. En fait, j'ai tout juste en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en fait, je m'en rends pas compte. Je veux dire, comment je me suis rendu compte avec le temps? Parce qu'en fait, récemment, en fait, je m'en suis rendu compte, tout simplement. Je pense que j'ai les nerfs trop tendus, en fait, je passe mal. C'est pas une bonne question que je suis stressé, c'est en fait, je passe mal, mais mon bras, et du coup, il est trop appuyé sur mon dossier. C'est une théorie, hein. On va pas être farfelu quand je dis ça, mais je pense que c'est réellement ça, ça le pire. Et en fait, ça me tend trop les nerfs, et du coup, bah. J'ai pas compétent, du coup. Je vois pas comment je devrais mettre mon bras, du coup. Parce que là, je sens qu'on pousse, il tire, quoi, en fait. Et quand du coup, j'ai vu que ça se passe, en fait, j'ai l'impression que ça appuie complètement. En fait, non, c'est pas du tout. Je lève un petit peu le bras. C'est vrai que des fois je dis j'appuie en fait, c'est pas que j'ai. En fait, c'est que c'est juste que bah non, en fait, juste que j'ai pas appuyé. Mais j'ai eu l'impression. J'ai pu dans ma ligne de mire. Putain, le menteur quoi. Putain, le menteur. Dans une bonne map.
peux l'aider là. On fout de crever. Au moins aider l'autre. Bon, qu'ils ouvrent les portes. J'ai vu que je t'ai blessé. On est en train de dire qu'il n'y a aucune porte qui est ouverte là. Foutez quoi en fait? Si, si, on peut aller toucher à la porte, j'ai vu ça de celle-là. Je pense qu'il va aussi jouer. Trickster, c'est pas bien, Trickster. Vraiment. En fait, le problème, c'est que plus j'avance, plus les survivants des perks et plus surtout des stratégies qui se développent. Alors que les tueurs, en fait, le problème, c'est qu'il y a tellement de gameplay différents que c'est pas possible de faire ça. En fait, le tueur serait le même genre, le tueur serait que Wesker par exemple. Bah ouais, il y aurait plein de strats et tout, mais là, non, c'est pas le cas. Mais en fait, ça s'arrête jamais de se pivoture, il est con. Il fait de mettre des claques des fois. Genre, moins pour nous achever quoi. Parce que des fois, il pouvait nous achever avec des claques. Enfin, moi en tout cas. Deadman Switch. Mais pardon. Est-ce que ça a changé de Deadman Switch? C'est toujours l'ancienne version. Non, c'est plutôt pas le truc. Déjà, Skip, il y avait une PTB, j'étais pas au courant, mais j'ai pas de nouveau tueur. Qui a été leak depuis longtemps d'ailleurs. Donc, ça c'est quoi. Donc, pas de surprise. Le truc qui serait surprenant, c'est que ce soit pas ça pour le coup. Parce que, même dire, ouais, mais ça peut que ce soit un truc faux et tout. Vu les sources, non. Vu les trucs, non. Je vais vous dire un truc. Ça a l'air tellement inintéressant de loin que ça sent des BD. Genre, franchement, je vais vous dire. Le design, les designs un peu stériles comme ça, genre, qui sont sympas, hein, mais sans plus. Style singularité, je dis singularité, je vais mettre dans le palier, ça me fait mal au cœur, mais c'est vrai. Genre, c'est singularité, style Skull Merchant. Style Unkno un peu, hein. Je suis désolé, Unkno, ton truc n'est pas abouti. Hein. Ça sent tellement DVD, quoi. Alors, Unkno, ce qui est dingue, c'est que ses skins sont trop beaux. Genre ça, c'est stylé. Bon, le bracelet est pas bien, mais... Ah, vraiment. Oh. Hello. Mais, je vois, je sais pas, c'est... En fait, je sais pas ce que je veux dire. Je crois que c'est le charme qui change. Ouais, c'est... En fait, je pense que c'est que les gens ils aiment bien les chapitres de licence, parce qu'en fait, il y a toujours des designs assez stylés. C'est pas du tout des BD qu'aurait pu me donner comme ça. Ni comme ça d'ailleurs. Ils peuvent le faire, la preuve, ils le font. Même Blake, je suis désolé, Blake, son truc est pas abouti. Et Blake, je vais m'aller plus loin, je trouve que ses skins ne le rendent pas honneur au concept. Quoique. L'artiste pour le coup il est vraiment stylé. Même Dredge, genre, je suis désolé, j'adore Dredge, genre, mais Dredge sur ses skins il ressemble à rien. Son pire skin c'est son skin de base. Hein. C'est la vérité. Hein. C'est genre ce skin. Genre pourquoi pas ce skin là dès le début. Trop stylé ce skin. Même genre il critique beaucoup ce skin là, je suis désolé, ce skin là il est mille fois plus beau que le skin de base. Hein. Vraiment.
Moi j'aime bien de faire ce qui nous va, ça change un peu. Un peu rigolo. Mais sinon, en vrai, je suis désolé, il ressemble à rien. L'idée là des crânes, la colonne vertébrale et tout sur le dos, c'est trop stylé. Mais son arme elle fait pas peur. Elle est pas intimidante du tout. Sa tête, on dirait une tête de bite. Je suis désolé, c'est une bite, regardez. Le chibre. Le prépuce. Non, je suis désolé, c'est la vérité. Hein. C'est une bite. Ce skin là, Frosty Nightmare, je suis désolé, il a mille fois plus de fou quoi. Dredd, les gens l'aiment vraiment pour ses skins, hein, pas pour le skin de base. Pour rappel. Lui est mieux, alors je l'aime pas. Alors je sais pas si c'était corrigé, mais in-game, j'ai vu, tu ne vois vraiment rien. Genre vraiment, tu ne vois rien. Ça me rappelle qu'il n'y a pas une version Blight de Dredd. Et on va repartir faire des games, je pense qu'on va encore faire une tête deux, ça dépend. Je pense une, mais voilà. Une et après on va jouer Spirit. En mode... Je vais parler. On met toutes les bottes. Bon, ça me fume parce que Aestri c'est une elfe. Après, peut-être que dans le Donjon Dragon, c'est pas comme ça les elfes. Mais elle devrait donc plus forte qu'une humaine classique, vraiment. Et elle a littéralement une guitare. Avec ce qui semblerait des lames au bout. Puis alors, j'avoue, je me dis, pourquoi tu feras pas avec. Arrête, je sais, c'est débile, mais voilà, bref. En vrai, on devrait pas se poser ce genre de questions. C'est comme, il y a Jill, pourquoi elle fait pas des. Pourquoi elle défonce pas à coup de Krav Maga Légion, tu vois, genre. Ces gens, j'ai déjà dit, faut prendre du principe que dans le lore, quand Légion est là, ils sont 4. Ils sont jamais tout seuls. Elle est jamais seule, Légion. Ils sont toujours à 4. Donc en vrai, quand tu joues une game, faut vraiment s'imaginer. C'est bizarre ce que je dis. Vraiment s'imaginer que vous êtes 4. Vraiment, voilà. C'est pour ça les trucs genre les gens qui font des classements genre de quel est le tueur genre les plus forts, souvent ils considèrent les gens tout seuls. Faut pas considérer les gens tout seuls, les gens ils sont 4. Parce que souvent je vois des gens qui disent que Ghostface c'est plus fort que les gens, c'est faux. Mais Ghostface je pense c'est vraiment, par contre Ghostface je pense vraiment débat avec Pig, mais que c'est vraiment le plus weak de tous les tueurs. Parce que Pig, elle aussi est discrète. Mais en plus de ça, Pig, elle a des technologies. Elle a des trucs vraiment assez high-tech et tout. Et ça prend un gros. Donc je sais pas. Après, je fais le principe que Ghostface, c'est vraiment... le prime de la discrétion. Je considère pas le spec, parce que le spec c'est juste qu'il se met invisible, en fait c'est rien, vraiment rien d'autre. Ghostface c'est vraiment le prime de la discrétion, c'est un ninja Ghostface. Yes. Oh non, pas lui. Par contre, petite parenthèse, à part le Trickster, on a vu que des tueurs que j'aime pas. Genre Billy, genre Wesker, Spectre. En plus, ce Wesker, ça faisait longtemps que je n'en ai pas vu. Hein. Bon, apparemment, c'est encore très joué. Hein. Moi, j'aurais bien voulu voir un petit Dracula, un petit Vecna, un petit Chucky. Parce qu'apparemment, c'est très joué ces trois tueurs-là et on les voit jamais. Pourquoi? Moi, je veux aller voir ces tueurs. Yeah.
ça l'alerte. Parce que tout à l'heure, c'est ça qui l'alerte. Mais non, pour moi, c'est quand tu mets le spray que ça alerte. J'ai vraiment eu des choses, j'en ai déjà parlé, mais des débats sur le fait de est-ce qu'il fallait pas enlever l'infection de Wesker. En mode c'est pas utile, enfin le tueur est très fort comme ça. Et c'est marrant, c'est des débats qui sont lancés par des main Wesker, des joueurs vraiment Wesker, enfin, des main tueurs et tout. Et pour moi non, hein, c'est vraiment partie du gameplay, hein. Pas enlever ça. Hein. Parce que sans ça je pense que le tueur du coup deviendrait... Bah deviendrait moins fort c'est sûr, mais du coup moins intéressant. Et Wesker je trouve que c'est un des tueurs les plus équilibrés du jeu. Donc je changeais pas ça. Avec Blight et Spirit. De toute façon, dites-vous qu'un tueur qui arrive en STR, ça veut dire équilibre. Alors, ça veut dire qu'il peut à peu près gérer ses dons. Non, mais rien de la poursuivre. C'est toujours un soleur de merde. Oh là là, le mec il est grave. Genre, le mec est tellement un big tunneler que même après ça te fait des Safe Strike. Genre, il. Ah bon, ok. Je pense que c'est aussi un petit peu de la... Je vais voir, ah oui, c'est pas ça que je vais faire. Continue de faire des mécaniques en suite une ligne hein, vraiment. En vrai, le souci c'est aussi de, en fait, alors c'est pas du tout pour défendre, c'est pas du tout pour défendre Junior ce que je dis ça vraiment, mais c'est juste un fait, c'est que pour moi le problème aussi des mécanismes anti tuning. Le problème du mécanisme anti-tuning, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens en fait, qui permettent d'utiliser des trucs genre style off the record tout pour body block des tueurs, enfin empêcher, enfin forcer en fait le tuning et tout. J'aime pas dire forcer tuning parce que c'est faux, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est genre vraiment les gens qui profitent de leur immunité pour, genre, pour bloquer, pour prendre des coups et tout. Et c'est ultra relou. Pour moi, il y aurait jamais eu de joueur qui aurait fait ça. Ça ferait longtemps qu'on aurait eu des off the record mais intégrés, genre in-game quoi. Moi je propose vraiment hein, que en vrai en mécanique anti-tunnel, mais que ce soit pas une perte ni rien, c'est de base. C'est un off the record de 30 secondes et un truc qui fait en sorte que genre si tu repoursuis sur lui, tant qu'aucun autre survivant n'est accroché à part lui, le survivant a des bonus, genre rapidité et tout. Vraiment. Non, par contre, t'as vraiment sucé Mathieu Cotte, mais très très fortement. Pour faire ça, par contre, c'est. Non, sérieux.
Moi je veux me rétablir au bout de 5 secondes, lui il y a 2 secondes, il ne me jamais pas coupé. Je vais même proposer un truc en vrai, et je pense vraiment, c'est vrai, quand on se voit sur les crochets pendant 30 secondes, rendez-le invisible. Rendez-le invisible et genre il passe à travers tout le monde. Vraiment. À part les survivants, genre les survivants droits, mais. Et genre, mais le tueur non. Ce serait abusé, ce serait plutôt le truc d'une perque, ça, pour le coup. Mais genre, un truc par contre qui pourrait être vraiment bien, moi je dis, c'est que, genre pendant 2 minutes. Ou alors jusqu'à ce qu'un prochain survivant soit accroché. Le survivant qui s'est fait décrocher a des bonus genre de rapidité, de voltige. Et genre il fait pas de bruit quand il fait quand il saute par-dessus des obstacles par exemple. Vraiment. Parce que ça là, c'est pas normal. Moi, tout le monde m'aurait réparé. Mais quand je parle de truc rapidité, c'est pas genre tu fais plus vite que le tueur. Hein. C'est vraiment juste pour faire galérer le tueur forcé, le tueur en chier. Et après, il faudrait vraiment. En plus de ça, parce que moi, il faut matraquer, il faut vraiment matraquer le tuning. Hein. C'est vraiment beaucoup trop cancer. Il faudrait, genre, vraiment mettre. Comment dire. Il faudrait vraiment mettre des vraies pénalités sur les points et tout en fait en général. Genre pour moi par exemple, il faudrait un truc, voilà, ce serait dur à faire, mais un truc qui détecte vraiment qu'un survivant était tunnelé et qui fait en sorte que si tu tues un survivant par du tunneling, genre en le harcelant, t'es vraiment une grosse pénalité in-game. Genre tu peux utiliser ton pouvoir par exemple, ou alors que tu as un ralentissement, genre tu as de l'entrave. Ce jeu, ça fait extrême, mais pour moi, c'est vraiment condamner cette mécanique de con. Je suis arrêté de la penser parce que d'un coup, j'ai vu qu'elle était poursuivie. C'est pas me choper, moi. Buveur de sperme. Mais genre même dans les compétitions de buveur de sperme, il n'est pas autorisé quoi. Tellement il boit de sperme. Et principalement celui de Mathieu Cotte. On rappelle hein, que les gens qui se trouvent à des places où aucun être humain normal se trouverait, ce sont des gens qui ont bu le sperme de Mathieu Cotte. J'ai vraiment vu un post-rythme, ça y a longtemps ça, c'était vraiment genre en 2019, qui expliquait qu'en fait si les tueurs avaient du mal à rattraper les survivants en tournant en rond, c'est parce qu'en fait les survivants ne pouvaient pas du tout se prendre des obstacles, en fait les trucs de collision, eux ils passaient à travers. Genre les trucs de grattage, ce que les gens appellent la hug tech. Alors la hug tech existe hein, mais ça fonctionne pas comme ça du tout, hein. Genre après je me suis pris un truc.
Par contre, vrai idée de perk, en vrai, un truc qui fasse que ta soif de sang, ça la remplace, mais qu'en fait... C'est pas genre toutes les 15 secondes, enfin toutes les 10 secondes, genre ton truc, ça, le truc augmente, c'est vraiment fait petit à petit. Et tu vois vraiment augmenter. Ça, j'ai pas une vraie idée. Beings out there unlike anything I've ever seen. Non, c'est vrai, pardon. Let's go. C'était ça. Je pense que ça va être très mid-tier, mais vas-y. Celle du docteur, par contre, c'était même pas juste mid-tier, c'était vraiment juste aux F-tier. En fait, autant jouer le docteur de base, hein, y a vraiment rien qui change une game. Mais skip le prochain skin. Le prochain skin comme ça de l'event, donc au top, sera un skin viscéral. Donc il y aura un vrai Mori, des vrais voice lines de changer et. Enfin, tout qui va vraiment changer quoi. Donc j'ai envie de dire oui. Arrête, je trouve ça joli, ils ont une animation de lobby différente et des petits effets. Genre la Spirit, le fait qu'il y ait des petits serpents sur les côtés, ça y a un truc en plus quoi. Ce qui est joli. Le skin docteur, à part l'animation de lobby, il n'y avait rien quoi. Là, il est juste changé la couleur des éclairs, je sais pas. Ou in-game, tu fais tenir genre son amas différemment, juste ça, en vrai, ça peut être pas mal. Nice, 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 tout ça.
In-game, j'aime bien le fait qu'elle a vraiment genre. Genre vraiment une espèce de peau reptilienne sur sa main, c'est un peu joli. La lame aussi belle. Un peu kékérèche en graphisme dégueulasse, mais enfin, un peu kéké, ouais, c'est plus joli. Ça fait marrer qu'ils ont changé la musique de Ghostface parce qu'elle était insupportable. Et la musique de l'alien. Alors que Spirit était vraiment pareil, je trouve. En plus, je trouve que Spirit ça lui va pas du tout quoi. C'est genre. C'est tellement pas subtil. Sadako par exemple, ça va. Et si un jour ils mettent Kayako, ça va arriver. Je suis sûr. Bah, je sais pas. Moi je pense que, en vrai, la raison qu'ils ont. Moi je pense à ça. C'est que la raison de pourquoi on a toujours pas Kayako. C'est dû au fait que c'est. Genre pas du tout demandé en fait. Et je suis même persuadé qu'en fait ils ont jamais juste réfléchi à ça, genre misé sur un post-it ou quelque chose comme ça. Mais rien qui me supporte plus qu'un Dwight Vanilla qui est vraiment cool. Chasse, tu vois ? Par contre, vu ces bruits de comme ça, je sais pas, c'est un peu triste. Après, c'est un truc, c'est un style. J'allais dire, il y a des voix différentes, mais oui, car on a plus. J'aime bien quand même mourir quelqu'un. Très bien. Je ne laisse pas mourir tous en PE sur les prochaines missions. Oh, c'est vrai, comme mon réflexion plus tard n'est pas mis. Merci, putain. Je dois être. Et même si possible. Ouais. C'est ça que c'est basé. Ces bruitages, ouais.
serpents sont gigastatiques en fait, vraiment d'accord. C'est une tristesse. C'est littéralement de la poudre aux yeux en fait, le skin. Enfin, les skins en sont à la base, mais au moins il y a des effets, il y a des trucs un peu stylés. Je sais pas, à Biavir, vous posez beaucoup d'argent quand même. Vous avez même racheté Redoux Studio, ceux qui font Darkest Dungeon. Ce qui est une nouvelle, je sais pas du tout comment la prendre pour le coup. Parce que je suis désolé, à part Dead by Daylight, ils ont fait aucun jeu intéressant. Aucun news, je suis désolé, c'était une blague. C'était rien d'autre qu'une blague. Et Casting of Frankstone, je vais vous dire honnêtement, j'entends personne en parler. Voilà. Et apparemment, leur truc, la projectile, est déjà mort dans l'œuf, donc bon. Pas de mise en quoi. Enfin, ça, je m'amuse, je vais qu'on débatte, mais je veux dire, le skin, j'en ai vraiment tellement rien quoi. Je sais qu'il y a un temps, j'aurais dit, waouh, c'est trop mon skin main tout, je tout le temps. Parce que j'adore Spirit, j'aimais bien moi les skins tout, mais parce que c'est galère à avoir. Je suis galère, pardon, je suis galère. Attention, nouvelle proie. Oui, je vais raccrocher pour tout le monde. Comme vous pouvez voir, je l'ai très bien trouvé, Nancy, bien sûr. Ah bon? Non, le début d'animation de Spirit, c'est le même que le début d'animation de Summer Shun de ce jeu. Non mais c'est trop honteux que le serpent il bouge pas alors quand tu fais le mec. Je sais pas s'il bouge du coup une game, parce qu'on voit pas une game en fait. Mais en vrai, véridique, je trouve que c'est vraiment... C'est pas le pire skin de Spirit, hein. Ça fait partie des plus mauvais hein. Visuellement, la seule idée qu'il a, c'est le côté un peu reptilien, le côté un peu écailleux. Mais sinon, il a rien dans ce skin. Je suis désolé, je regarde, mais... Oui, je trouve beaucoup plus beau, quoi. Genre lui, en vrai, pareil, il est magnifique par rapport à l'autre. J'aime beaucoup la lame. Ah.
Ouais, c'est un des plus beaux, je trouve. Lui, par contre, c'est vraiment des plus beaux. Ouais. C'est quoi les trucs? Non mais montre-le moi complètement, idiot. En plus tu m'as enlevé mon truc asexuel, espèce de connard. C'est marrant parce que c'est un truc Mad Max et genre il y a un trophée, genre... C'est rigolo. J'avoue, ok, c'était un peu marrant. 300 au lieu de 1200, merci. Je veux dire, littéralement dans la boutique on peut l'avoir pour 3€ ce truc. Putain, mais genre, on peut pas. Genre, c'est si mal foutu que ça. Genre, tu peux pas, genre, juste regarder comment ça rend une game et non. Bon, je trouve que les Killer Bundles, c'est vraiment une bonne idée. Genre vraiment là t'aimes bien Légion, ouais ce skin il est beau quoi. C'est pas le plus beau de Légion. Le plus beau de Légion c'est le skin... Putain il est trop beau pour ça. Rien à voir mais il est vraiment très beau. C'est le skin de... Merci. Bon, rien que ça compte pas. Rien que ça compte vraiment pas pour le coup. Ouais genre il est vraiment très beau. Amani c'est ça? Amaki, pardon. Qui Donc, c'est magnifique. Ah, mais il est mon trésor et de Léonette, je sais, c'est en bas, d'accord. Même lui, hein. C'est magnifique ce skin, hein. Lui en vrai, à part le masque, il est pas mal quoi. En fait, j'aime bien le couteau surtout. Lui en vrai, c'est pareil, c'est un des plus beaux skins, je trouve. De toute façon, les gens, je trouve qu'il y a des skins vraiment très beaux. Même lui, pareil. Bizarrement, parce que j'ai eu beaucoup de gens à l'avoir d'ailleurs ce skin. Il est super beau quoi. En jouant en skin de Joy, je pense que c'est lui le meilleur. Skin Suzy, je dirais que c'est quand même lui le meilleur. Julie, je dirais que c'est quand même lui. C'est vrai que Suzy a celui-là, le couteau. Qui est trop stylé comme couteau. T'en as quoi ton couteau? Regarde, appuie un peu la merde. Regarde, c'est pas lié, donc tu vois, tu peux le changer. Ouais, tu peux le changer. En vrai, dommage, je peux pas le changer avec lui, parce que lui, du coup, c'est lié. Ça, on est mieux, quoi. Mais non, d'ailleurs, il y a un skin qui doit arriver, on sait pas quand. Qui est très inspiré de Prometheus, où en fait, il fait... pas noir mais blanc avec beaucoup de parties qui font très ingénieur en fait. Enfin, vous allez voir. C'est vraiment très beau. Genre lui je trouve qu'il mérite bien plus. Ouais voilà lui c'est un vrai son animation différente. Sa lobby animation est différente et en jeu il a vraiment des kills plus agressifs. Ça mérite quoi. Bref, moi je vais vous laisser. J'ai des trucs à faire. Merde! Quoi que j'aurais dû laisser en fait. Je vais vous laisser, j'ai des trucs à faire. Il y a un écran noir derrière moi, je l'ai pas dit, parce que je tournais mes vidéos. Donc, je suis tombé à côté en fait.
Il y a ma caméra qui était, je vous montre. Ma caméra qui était posée ici là, sur la boîte là. Et en face, bah, je me mettais là. Sur le petit tabouret qui est là-bas. Voilà. Ouais. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette live. Peut-être sûr qu'il y aura un autre live, je sais pas. On verra ça. La bise, à la prochaine. Plus.